Bonjour. Assurez-vous d'avoir mis votre téléphone sous silence et d'être confortablement et chaudement habillé. Vous aurez pris soin d'avoir choisi un sans-calpa, comme indiqué dans le descriptif. Puis installez-vous, allongé sur le dos, dans la posture de Shavasana, de manière à ne pas avoir envie de bouger. Roulez quelque peu vos épaules vers l'arrière afin de plaquer vos omoplates au sol. Pliez un peu vos jambes et en levant légèrement le bassin, effectuez une rétroversion afin d'effacer quelque peu la courbure au niveau lombaire et reposez le bassin. Vos jambes sont écartées. Le haut des cuisses ne se touche pas. Levez un talon et déplacez-le un petit centimètre plus loin. Puis l'autre. Si vous ressentez un inconfort dans le bas du dos, n'hésitez pas à placer un bolster ou des coussins sous vos genoux. Vos bras sont écartés du corps, la paume des mains dirigée vers le ciel. Enfin, levez un peu la tête, rentrez le menton quelque peu et reposez la tête doucement. Les deux mâchoires ne se touchent pas. Le bout de la langue est posé à la racine des incisives de la mâchoire supérieure. Les lèvres se frôlent. Vos yeux sont fermés et le resteront jusqu'à la fin de la séance. Prenez une belle inspiration et expirez tel un long soupir. Encore une fois. Pendant le yoga nidra, la seule chose importante est de suivre ma voix. Si des pensées viennent vous déranger de temps en temps, laissez-les passer et revenez à ma voix. Laissez-vous aller au calme et à l'immobilité. Prenez conscience de l'importance de cette complète immobilité. Votre visage est détendu. L'espace intersourcilier est détendu. Mettez sur votre visage un petit sourire. Maintenant, écoutez les bruits de l'extérieur. Laissez venir à vous tous les sons. Puis portez votre attention sur votre souffle. Percevez bien le flux et le reflux de votre souffle. Vous allez pendant quelques instants intensifier votre respiration, la rendre audible. En inspirant, vous visualiserez votre souffle remonter du nombril vers la gorge en disant mentalement « saut ». Et en expirant, vous visualiserez votre souffle descendre de la gorge vers le nombril en disant mentalement « ham ». Saut sur toute la longueur de l'inspiration, ham sur toute la longueur de l'expiration. Saut ham, je suis pure conscience. Allez-y.
Prenez le temps de terminer sur une expiration et laissez votre respiration naturelle, sans aucun contrôle, reprendre sa place. Laissez-vous aller. Le voyage du Yoga Nidra va commencer. Laissez maintenant monter votre sankalpa. Dites-le mentalement, au moins 3 fois, avec toute la conviction dont vous êtes capable. Voyez-vous le vivre, voyez-vous être et agir comme s'il était déjà réalisé. Nous allons passer maintenant à la rotation de la conscience dans les centres physiques du corps. Pendant cette rotation, vous visualiserez chaque partie de votre corps que je vais énumérer. Nous commençons par le côté droit, et le côté droit uniquement. Et c'est parti. Vous visualisez le pouce de la main droite, le deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, la paume de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la taille, la hanche, l'aine, la cuisse, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième, cinquième. Le côté gauche, le pouce de la main gauche, le deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, la paume de la main, le coude, l'épaule, l'aisselle, la taille, la hanche, l'aine, la cuisse, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième, le sommet du crâne, le front, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, les deux yeux, ensemble, l'arête du nez, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les deux lèvres, ensemble, la gorge, la poitrine droite, la poitrine gauche, l'espace entre les poitrines, le nombril, la jambe droite, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, toute la partie droite de votre corps. Toute la partie gauche de votre corps. Tout votre corps. Tout votre corps. Devenez très conscient de tout votre corps.
Vous allez maintenant faire l'expérience de différentes sensations opposées. Nous commençons par la sensation de froid. Imaginez-vous être en train de marcher, pieds nus, sur un sol glacé en hiver. Vos pieds sont froids. Tout votre corps est glacé. Ressentez la sensation d'un froid piquant dans votre corps. Prenez conscience du froid. Et laissez partir cette sensation. Laissez partir. Prenez une belle inspiration et soupirez. Chaleur. Éveillez la sensation de chaleur. Éveillez l'expérience de la chaleur. Souvenez-vous de la sensation de chaleur en été, dehors, sous le cagnard. Tout le corps est chaud. Tout le corps est très chaud. De la chaleur partout dans le corps. De la chaleur tout autour du corps. Vous vous sentez brûlant de partout. Prenez conscience de la chaleur. Et laissez partir cette sensation, laissez partir. Lourdeur, lourdeur dans le corps. Conscience donc de la lourdeur dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans le bras droit, dans le bras gauche, dans tout votre dos, dans la tête. Intensifiez cette sensation de lourdeur. Sentez-vous pesant, très pesant. Vous êtes tellement lourd que vous avez l'impression de vous enfoncer dans le sol. Lourdeur dans tout votre corps. Et laissez la lourdeur, laissez-la. Pour vous aider à faire partir cette sensation de lourdeur, vous disposez de votre souffle intensifié, quelque peu votre souffle. Ouvrez un peu plus la cage thoracique. Et à chaque expiration, laissez la lourdeur s'en aller. Sentez-vous respirer, sentez-vous éveillé. Et lorsque cette lourdeur se sera évacuée, retrouvez votre respiration normale, naturelle, sans contrôle. Légèreté. Pensez légèreté, la légèreté d'une plume. Vous êtes cette plume, à peine posée sur le sol. Pensez légèreté, légèreté d'une pensée, d'une parole,
d'un geste, d'un acte, légèreté d'un comportement. Sentez-vous léger, comme quelquefois la vie sait l'être. Sentez-vous léger, comme quelquefois la vie sait l'être. Et laissez partir. Laissez partir. Vous êtes toujours tout à fait éveillé, tout à fait conscient, et vous allez maintenant visualiser une suite d'images rapides. Accueillez les images qui se présentent en les laissant défiler. Ne vous attachez à aucune d'elles. Vous êtes dans la pièce où vous vous trouvez actuellement, mais vous êtes au plafond, et en dessous, vous voyez votre corps étendu en shavasana sur le sol, en train de pratiquer yoga nidra. Maintenant, voyez votre corps se mettre debout lentement, aller jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrir doucement, et sortir en refermant la porte sans bruit derrière vous. Voyez votre corps en train de marcher à l'extérieur. Il n'y a aucune sensation d'effort, rien que de la légèreté. Vous rencontrez des gens que vous connaissez bien. Vous les voyez, mais ils ne peuvent pas vous voir. Vous les regardez avec amusement. Ils sont plongés peut-être dans leur conversation habituelle ou dans leur portable. Soudainement, vous vous apercevez que votre corps flotte au-dessus de la mer. Prenez bien conscience de cela. Regardez les reflets de la mer en dessous de vous. Les bancs de poissons qui dansent avec les courants. Voyez un navire qui laisse échapper de la vapeur. Votre corps plane comme un nuage. Vous êtes au milieu des nuages. Votre corps se déplace emporté doucement par les vents. Des rubans de nuages caressent votre visage. C'est si doux. Au-dessous de vous, le soleil se reflète sur des formations de nuages blancs. Au-dessus de vous, des nuées dérivent dans le bleu du ciel. Votre corps est soulevé délicatement par des vents ascendants et vous survolez des terres. Du ciel, vous voyez des fermes, des champs de tournesol, de tulipes, de coquelicots, des forêts verdoyantes, des rivières sinueuses éclaboussées de soleil. Arrêtez-vous un moment pour vous regarder vous-même de près. Votre corps est totalement détendu. Et votre visage est l'expression parfaite du calme et de la paix. Vous passez à travers un arc-en-ciel. Votre corps est baigné de couleurs.
sentez-vous lavé et purifié par ces couleurs bienfaisantes. Jaune, bleu, violet, rouge, orange, vert. Sentez les couleurs pénétrer dans votre corps, vous nourrissant à un niveau profond. Maintenant, voyez votre corps revenir lentement à votre point de départ. Doucement, vous ouvrez la porte, vous entrez et vous la refermez derrière vous, riche de ce que vous venez de vivre. Vous revenez vous étendre sur le sol, en Shavasana, le cœur léger. Votre corps repose à nouveau. Dans la conscience de cette légèreté, vous allez à nouveau pouvoir dire mentalement votre sankalpa en vous visualisant avec conviction le sankalpa déjà réalisé. Rappelez-vous qu'en le disant à la fin du Yoga Nidra, vous arrosez la graine que vous avez semée au début. Dites-le plusieurs fois, au moins trois fois. Reprenez maintenant conscience de votre respiration naturelle. Conscience du souffle et conscience de la relaxation. Prenez conscience de vos bras, de vos jambes et de votre corps allongé sur le sol. Conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Des bruits de la pièce et des bruits de l'extérieur. Restez étendu tranquillement encore quelques instants et gardez les yeux fermés. Commencez à bouger les extrémités, le bout des doigts, les orteils. Et doucement, un peu plus d'amplitude dans l'entier des mains, des pieds. Bougez légèrement la tête de droite à gauche. Puis envoyez vos bras au-dessus de votre tête et étirez-vous.
étirez-vous. Surtout, ne vous pressez pas. Prenez tout votre temps. Le voyage de Yoga Nidra est terminé. Je vous remercie.